Colin, la remise de la tête, c'est aussi aérien, il a pu rentrer dans la surface de réparation. La frappe du gauche est en deux temps. Finalement la première parade. Fait pour effacer le premier rideau avec Duchamp là pour Dabo qui va les provoquer pour mieux servir Saki. Saki qui se met sur son pied droit, le tacle et la frappe à du plat du pied qui termine au fond des filets, l'ouverture du score pour Ibrahim Sissoko. En deux temps après un tacle manqué, il a réussi à se remettre sur ses appuis. Et Saki pour ce ballon mis dans la course avec l'arrivée dans la surface de décalage pour Sissoko, encore une fois le plat. Cette perforation pénale, le plat du pied ouvert. Attention la mésentente, Gbo qui prend le meilleur, la balle de 2-0, c'est sorti par Pombe mais c'est pas terminé, le double arrêt exceptionnel de Simon Pombe, mais celui-là il sera dans le top 5. Gbo qui va offrir peut-être un ballon de 2-0 à Sissoko qui a tendu le pied, pas de coup de sifflet, duel licite mais ballon non cadré. Un rêve intact celui du maintien pour Épinal qui est la deuxième équipe à venir réussir à s'imposer sur la pelouse de Chambly. 1-0, un but inscrit par Ibrahim Sissoko. Un rêve brisé en revanche, celui de la Ligue 2 avec ce cinquième match sans victoire. Les troupes de Bruno Luzzi n'ont désormais que très peu de chances de croire à la montée à 4 matchs de la fin.